Je sais bien, mais c'est comme ça, et c'est pas pour ça que je vais forcer absolument. Voilà. Encore une fois, c'est pas. Il faut que des gars sur le terrain soient capables d'un certain rendu. Quoi. Je peux pas prendre des risques. On est court au niveau effectif et on en a conscience. Il y a beaucoup de stabilité, mais on ne changera pas grand-chose. Je n'ai pas envie de bouleverser. Encore une fois, on n'est pas efficace, mais il n'y aura pas de miracle possible à travers un système. Ce que je veux, c'est beaucoup de concentration, de lucidité aussi par rapport à notre situation. Et un engagement, c'est comme ça qu'on arrivera à bien finir la saison. J'ai jamais dit qu'on était tiré d'affaire à 100%, j'ai jamais considéré ça. La déception, c'est surtout la défaite à Rodez. Après Grenoble, je trouve que. J'ai regardé à nouveau le match là, pendant la. Je trouve que. Voilà, ça ne tourne pas en notre faveur, on a des occasions pour ouvrir la marque, etc. Et nous, dans notre situation. On a des difficultés lorsque ce genre de scénario se produit. C'est surtout à Rodez, là, on a cassé... À Pau, oui, pardon. On a cassé la série, ça m'a... On est retombé dans certains travers. Après, moi, je n'imaginais pas qu'on allait... J'avais du mal à imaginer qu'on allait faire une poule retour en survolant ou en... Sur le plan collectif... Et encore une fois, après avoir revisionné le match contre Grenoble, c'est pas honteux ce que l'on fait collectivement. Après, on n'est pas efficace, on n'arrive pas à traduire une certaine qualité de jeu, un jeu de passe très, très acceptable. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à être efficace, ça c'est sûr. Pour moi, ça ne rajoute pas, parce que j'avais à l'esprit que ça pouvait arriver. J'ai évidemment pris note des résultats, j'ai regardé, mais je... Moi, je sais qu'il faudra être vigilant jusqu'au bout. On a évoqué des problèmes d'effectifs, des problèmes de... Moi, j'ai à l'esprit la nécessaire concentration tout le temps. Et les phrases, oh oui, mais ça, quand même, ça devrait pouvoir se faire. Oui, d'accord, mais il faut le faire en gagnant des matchs, en prenant des points, etc. C'est... Dans l'incantation, on arrive. Bon, l'incantation, ça ne fait pas avancer grandement. Il faut être efficace sur le terrain, s'engager, avoir un esprit de responsabilité, ça oui. Oui, on peut. Moi, j'ai ça à l'esprit. Oui, il faut au moins gagner deux matchs, au moins. Mais il ne faut pas attendre les 6-7 derniers pour se dire qu'il faut être. Engagé constamment, et si on n'arrive pas à gagner des matchs, il faut au moins prendre faire des nuls pour avancer, pour se protéger. Encore une fois, ce sont des aspects du travail logique d'un entraîneur. Évidemment qu'on en appelle à l'orgueil, d'autant plus avant un derby, on sait que ce que ça représente pour les supporters, etc. Évidemment que je vais jouer sur ce registre, comme mon homologue à Caen sûrement, mais un match de foot, ça se joue à ça, mais pas qu'à ça. Et il faut aussi montrer des qualités sur le terrain, jouer, etc. Chercher à être plus efficace qu'on ne l'est. Oui, c'est un ressort possible, mais dans ces cas-là, enfin, ça peut aussi ne pas suffire. C'est pas uniquement en jouant là-dessus qu'on va résoudre des problèmes.